Bonjour à tous, nous sommes le 3 janvier à 18h22, plus précisément 25h10, pas 25h10, mais 48h10 minutes par rapport à la première vidéo que je vous ai présentée pour débuter mon safari au 1er janvier. Maintenant, enfin, finalement, après deux jours, je réussis enfin à croiser Kemerop en français. Malgré que c'est la même chose, c'est juste qu'il y a un accent aigu. Ou E. Vu que ça n'existe pas les accents en anglais. Bon, voyons voir le tableau à quoi ça ressemble. Bon, en premier lieu, il nous lance des entraves. Puis il y a plein de Zubat, on dirait. Ou Nosferatu, je sais pas. Je sais pas c'est lequel entre les deux. Mais on le sait tous que c'est un Pokémon de type poison et vol. En termes normal. Bon, là maintenant je dois tenter de jouer avec ça. N'oubliez pas que Milotic, lui, peut au hasard enlever deux entraves. Lui fait anti-entrave plus. Donc ça peut être n'importe quel type d'entrave qu'il peut enlever. Bon, commençons comme suit. Vous avez vu? Il m'a enlevé une entrave d'un bloc cassable et une barrière. Donc c'est au hasard. Maintenant, occupons-nous de Manaphy. Ok, 144 est pas pire. Déjà deux tours de perdu. Ok. Après ça, qu'est-ce que je fais? Tiens, pourquoi pas Gobalion, tant qu'à faire. Ok. Ok, pas si mal. Bon, là, il me fait juste geler les cases parce qu'il y a des Pokémon. Il a pas gelé les autres cases, fait que c'est déjà tant mieux. C'est une bonne chose. Ok. Bon, que faire? Ah, tiens, Gobalion. Tiens, je vais utiliser mon beau Gobalion. 23. Bon, ok, pas pire. Il doit être fait comme des types sol. Ok. Voyons voir qu'est-ce que je peux bien faire aussi. Ah, tiens. Ah oui. Méga évolution de Méga Lucario. Let's go. Il ne faut absolument pas que j'échoue. Oh! Tiens. Je vais utiliser le carreau 5 fois. 130. En tout cas, il est pas commode, ce Kemerop. Il est un peu difficile à jouer. Ok. Bon, maintenant, ma jauge de capture par défaut est de 30. Et c'est 3% parcours restant, donc 39.
Bon, allons-y. 1, de 2 et de 3. Est-ce que c'est capturé? Yay! Avec une Pokéball, oh yay! Lors de ma première rencontre avec ce Pokémon, oh yay! Ça, c'est bien le fun. Bon, suivant maintenant. Ok. Lui, il fait force 4. Aligner 4 Pokémon augmente les dégâts. Bon, une puissance de 70, bon, c'est comme, c'est bien, hein? Hein, 90 au total. Ouais. Je peux se doter le premier dans, de type sol qui doit faire une force 4, je pense. Parce que, si on parle l'exemple de Terrakion, lui, il est de type roche. Et lui, il fait force 4+. Comme son compagnon Gobalion de type acier et Virizion de type plante. Ah oui, tiens, je vous l'avais pas dit. Là, je suis en train de trier un peu. Ma playlist de Pokémon Shuffle. Je voudrais les mettre séparément pour que vous puissiez aller voir si ça vous tente, exemple, le Pokémon Safari. Ou encore, vous voulez voir les niveaux normaux. Les Battle X. Ou encore. Les combats échelons. Je vais tout répartir ça dans une. Dans une section définie. Pour pas que ça soit genre tout mélangé dans un même dossier. Fait que si vous avez envie, genre, exemple, d'aller voir tous les Pokémon. Que je suis allé découvrir dans les safaris, ben il y aura une playlist pour ça. Pareil pour les combats échelons. Aussi pour les niveaux spéciaux. Puis les niveaux spéciaux, ça n'inclut pas. Ça inclut uniquement les Pokémon à part. Que ce soit genre Pokémon légendaires, qui ont leur propre niveau. Qui sont pas répartis par. Dans un safari ou encore. Dans un combat échelon. Combat échelon, genre, c'est très différent des niveaux spéciaux qui peuvent être par temps limité ou par nombre de coups. Uniquement. Tu sais, comme vous pouvez voir, là, ben, disons pour Flambossaur, là. Ben lui, il a son propre niveau. Il n'est pas réparti dans un safari ou dans un combat échelon. Dans un niveau spécial. Puis Keldeo, oui, c'est un combat échelon. Aspect décidé. Et Shaman, lui, il a son propre niveau à lui. Puis ce qu'on peut voir, c'est par un nombre de coups limité. Des fois, ça peut être par temps limité, comme pour Luigia. Donc, c'est ça que je voulais dire par rapport à ça. Mais à partir de maintenant, ben c'est ça. Mais pour mes vidéos de Pokémon Shuffle, ben je vais placer diverses catégories sur des playlists pour que vous puissiez mieux différencier chacun des volets. Que je parcours avec vous dans le jeu. Dans les nouveautés aussi. Il va y avoir aussi une section pour les méga compétitions. Pour une méga évolution. Plus, essayer d'aller chercher un méga turbo ou un joyau si le Pokémon pour une circonstance de pouvoir obtenir sa méga évolution apparaît. Pour une deuxième fois. Et plus. Bon, voilà, j'espère que je vous ai à peu près dit que de qu'est-ce qu'il y en est. Puis il y a 66 vues dans ma playlist de nouveautés, résultats et nouveautés. Puis là, c'est ça. Là, maintenant, je vais comme trier tout ça. Puis mettre ça dans une section spécifique du jeu. Voilà, et pour moi, ben pour le moment, le Pokémon Safari est terminé,
Mais j'ai bien hâte de voir s'il n'y aurait pas un Pokémon rare là. Fait que je vais continuer à y jouer. Puis voir si si par pur hasard il y aurait un Pokémon rare, comme que c'est arrivé pour Fionn dans le Safari précédent. Moi je suis un petit curieux. Moi je vais aller plus loin que qu'est-ce que les autres ont fait. Mais eux autres ils savent qu'il n'y en a pas de Pokémon rare. Parce que genre dans les infos, on remarque que certains sont particulièrement rares. Probablement Gagalite et Camerop, entre autres, qui doit être très rare. Brésilion, bien so-so. Donc c'est ça. Puis si y a une méga compétition ouvre demain, genre probablement Mega Swampert selon les rumeurs. Et bien pour moi ça donnerait un énorme avantage puisque tous mes éléments électriques sont au maximum. Mes meilleurs éléments. Bon ben je vous souhaite à tous une bonne soirée et à une prochaine fois.